Bonjour, Caporal Artyom. Donc, vous avez souhaité passer l'examen des forces spéciales, il paraît. Oui, mon lieutenant. Bien, donc vous êtes équipé en conséquence, donc avec simplement un plastron de combat, ainsi qu'une petite arme à feu, si je me trompe. C'est ça, mon commandant. Bien, donc nous allons pouvoir commencer votre examen d'entrée aux forces spéciales. N'oubliez pas, les consignes sont claires, vous devez déjà survivre. Ensuite, vous à moins de radiation, vous devez prendre du radoé, ainsi que des radix pour éviter tout problème de mutation qu'on vous a administré avant l'examen. Étant donné que en tant que bon soldat et caporal de l'enclave, vous êtes augmenté. Est-ce Oui, que chef. les consignes sont claires, Caporal Artyom? Oui, mon lieutenant. Bien. Vous pouvez ramper et nous allons pouvoir commencer. Bien le temps. Bien, n'oubliez pas que vous avez un temps imparti de 15 minutes. Et vous pouvez récupérer les armes que vous trouvez sur le sol, mais pas sur les cadavres. Seulement les munitions sur les cadavres. Si jamais. N'oubliez pas que vous devez faire des choix de temps en temps dans cette grotte. Et que votre priorité est aussi de me protéger. Pour l'instant, vous vous débrouillez plutôt bien. C'est pratique, une arme silencieuse. Tout à fait, lieutenant. Là, vous êtes ma foi très efficace. Merci, lieutenant. On verra pour la suite. Bien Puisqu'ici, sûr, pour lieutenant. l'instant, c'est un parcours de santé. Attention, lieutenant. Pas de soucis, je vous laisse gérer ce caporal. Ça fait un peu du mal, on dirait. Oui, mon lieutenant. On m'a donné des munitions pas très efficaces pour cette opération. On m'a donné les rebuts de munitions qui ont été refaites. Et on va dire que le rembout est arrondi. Vous devez faire pallier à toute éventualité, le caporal. Bien entendu, lieutenant, c'est pour ça que je passe cet entraînement et cette formation. Effectivement. Bien, il vous reste 11 minutes. Je ne souhaiterais pas vous mettre la pression, mais...
N'oubliez pas que vous avez aussi un usage limité des simpacks. Oui, j'ai pas encore utilisé un seul, mon lieutenant. Bien, de toute façon, je le verrai. N'oubliez pas de faire attention au radix. Attention. Hop, j'en utilise un. Bien, ne perdons pas de temps, continuons. Les attentions ici, ça risque d'être un peu plus compliqué. Ah oui. Lors du dernier relevé, il n'y avait pas de ça. Effectivement, mais lors de la dernière formation pour l'examen de force spéciale, il y en avait. Je vous cache pas que ça ne me dérangera pas de vous aider un minimum vital sur ces créatures. Sinon, on peut essayer de les éviter. Eh bien oui, on peut toujours essayer. Totalement aussi des forces spéciales pour pouvoir éviter le danger inutile. Mais à poursuivre. Tout danger qui peut être évité, on l'évite. C'est bien ça. J'imagine que j'ai pas besoin de vous dire de rester au mieux à l'ombre afin d'éviter de nous faire Effectivement, je repérer. suis quand même le lieutenant qui fait partie aussi des forces spéciales. C'est pour ça que je suis, entre guillemets, chargé de votre formation. Bien entendu. Et si ça va se corser un petit peu, caporal? Ah. J'ai le droit à l'usage de grenades ou Grenade pas? fragmentation. Oui. Uniquement. Très bien. Poursuivons. Eh bien, sacrée bataille, hein. Effectivement. Ben non. Bonne chance, caporal! Il vous reste 9 simpacks. Vous avez 7 minutes pour vous défaire de cette créature. Bien avant les temps. Si vous nécessitez un appui, n'hésitez pas. Faites attention à ne pas vous faire submerger. Je me mets en retrait pour éviter de... J'utilise un steampack. Bien. Bon, je vais quand même tuer le calciné qui m'attaque. Bien moins de temps. Vous vous débrouillez plutôt bien pour l'instant. Bon. Heureusement, elle veut ma peau à moi. Ouais. Ah bon, c'est...
attention à votre vie. J'utilise un steampack. Souhaitez-vous un petit appui? Non, mon lieutenant. Bien, c'est bien, vous a fait le gros. Faites attention à l'armada de Cassini qui fonce sur vous. Je prends un autre steampack. Bien. Bon, si la Cassini me saute dessus, vous comprendrez bien que je le tuerai. Bien entendu, mon lieutenant. Je m'occupe du gros. Bien, poursuivons. Le dernier simpack. Bien, poursuivons. Nous débêcherons une fois dans une maisonnette de l'enclave. Enfin, d'un patriote. Bien, surtout en étant à couvert, quand même. C'est bon, vous pouvez faire monter l'élévateur. Voilà. C'est fait. Bien. Vous avez réussi en 10 minutes. Enfin, un peu plus de 10 minutes. Nous allons faire un débrief à une maisonnette de compatriotes américains. Très bien, je suis. Bien, suivez-moi. Bien, mon lieutenant. Installez-vous sur la chaise. Bien, devant lieutenant. Moi. Bien, mon capitaine Artyom. Petit débriefing. Donc pour moi, vous avez été exemplaire. Vous avez su vous débattre et affronter l'ennemi. Et affronter aussi l'ennemi quand il est nécessaire. Ma foi, c'est une qualité des personnes faisant partie des forces spéciales. De fait, pour ma part, vous êtes ennemi de la force spéciale. Mais ce sera l'état-major de statuer sur votre compte. J'ai pris une caméra embarquée avec moi. Dans mon costume et sur mon casque afin de récolter les données et de montrer à l'état-major ce dont vous êtes capable. J'aimerais votre retour sur votre examen, ce que vous en avez pensé. Je préciserai qu'il faudrait interdire juste les fusils coup par coup. Plus rien ne sent comme avant. Puisque cela rend la chose difficile, à moins que vous vouliez corser encore un peu plus L'examen. Mais en retour, il est quand même assez complet. Bien. Nous allons statuer sur votre recommandation, Caporal Artyom. De fait, vous pouvez rompre. Nous allons quand même devoir faire une petite photo. Donc je vous demanderai juste de vous bien vouloir vous installer en pose militaire devant le drapeau des États-Unis d'Amérique au fond blanc. Y'a moi, lieutenant. Bien. Cher Caporal Artyom, vous pouvez disposer. Je vais de ce pas rédiger un rapport pour l'état-major. Merci, lieutenant. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse l'enclave et l'Amérique. Que Dieu bénisse l'enclave.